finale pour la France. Et ce que l'on vous avait promis, eh bien, voici l'un des grands moments de ce défi d'or. C'est une démonstration, mais ça mérite quand même toute notre attention et toute, j'allais dire, émotion, parce qu'on va en avoir un peu. Svetlana Boginskaya, 25 ans, est toujours belle. Double salto d'entrée au sol avec sa nouvelle tenue qu'elle a imaginée pour valoriser le corps des gymnastes. Championne olympique à Séoul en 1988 avec l'équipe de l'URSS. Puis championne olympique à Barcelone avec l'équipe de la CEI. Et enfin, eh bien encore une magnifique évolution aux Jeux d'Atlanta. L'une des rares gymnastes au monde à avoir fait 3 Jeux olympiques. Regardez Boginskaya à 25 ans. Elle est encore très performante, mais oui. Et elle a une présence que beaucoup de gymnastes lui envient parce que c'est vrai qu'elle dégage quelque chose. C'est clair que c'est cette présence que l'on doit mettre aujourd'hui en avant et non plus ses acrobaties, car peut-être ne sont-ils plus dans la course, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que tout un public de fans est autour d'elle. On sait apprécier la championne qu'elle a été. Voilà, ronde à triple, impulsion, double arrière groupé, c'est son acrobatie principale. Alors, pendant que ce ralenti se déroule, pour notre plus grand plaisir, et j'imagine pour les téléspectateurs de France 3, Nelson Montfort a beaucoup de chance. Il a recueilli ses premières impressions juste après ce dernier saut. Svetlana, it's wonderful to see you here in Limoges. And I think the first thing Pierre, our commentator, was saying, that now not only do you do gymnastics still very well, but you also start to create clothing. Hein? Vous nous avez dit, Pierre, qu'elle avait créé en fait le juste au corps qu'elle est en train de porter. Yes, I just started my own line, Svetlana Boginskaya SB Sportswear. And it's... I did gymnastics all my life. I was wearing leotards 20 years, and now I want to do something for us gymnasts. Alors, vous savez, j'ai effectivement créé ma ligne de gymnastique. Vous savez, ça fait 20 ans que je pratique la gymnastique. J'ai tant tiré de ce sport que maintenant, je souhaite simplement lui rendre tout ce qu'il m'a donné. On retrouvera Svetlana en deuxième partie de programme. Thank you, Svetlana. You're welcome. Nous en venons au